Bonjour à tous. Écoutez, nous venons de visiter donc l'installation, un très grand chantier qui est celui qui consiste à rajouter une ligne de transformation sur le poste des Naruda. Cette opération a été rendue nécessaire par le fort développement de la zone Znata. Vous voyez, il y a des bâtiments qui sortent de terre, des nouvelles activités industrielles qui apparaissent. Il fallait renforcer les capacités de production énergétique. Donc c'est ici que ça se passe, c'est au niveau du poste Naruda. Et toutes les équipes là de l'IDEC ont travaillé pour pouvoir préparer les conditions de mise en place de ce nouveau transformateur. Ce nouveau transformateur sera disponible dès le mois de mai prochain. Il va permettre de soulager les deux transformateurs existants et il va redonner un peu, je dirais, de confort à l'ensemble de la production ici sur la zone. Alors, c'est des opérations qui sont extrêmement délicates. Hein. On parle de 220 000 volts, hein, des tensions extrêmement élevées, donc des puissances là disponibles qui sont très fortes. Et donc toutes les précautions doivent être prises pour pouvoir réaliser cette installation alors que le poste est en fonctionnement et en utilisation. Donc il y a un sujet de coactivité des équipes d'exploitation et des équipes projet. Tout cela se passe de façon extrêmement professionnelle. Je suis vraiment très fier de voir ce travail qui est réalisé, qui va dans le sens de la remontée en puissance là, des installations énergétiques et qui accompagne les besoins de la ville ici sur Znata. Voilà, c'est une très belle opération. Je suis vraiment très content de l'avoir vue là ce matin. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي